sport. Évidemment. J'ai encore oublié mon sac à viande. Là, je suis à l'envers là. D'accord. Alors on a dû improviser. Rigolo, qu'est-ce que j'ai dans mon sabot? Voilà, alors ça c'est le tinamou varié. Voilà, je vais sortir mes carreaux parce que voilà le tinamou varié. C'est un peu le même que l'autre, mais légèrement plus petit. Voilà, un cri très puissant. Et puis en poids, bon, c'est un petit peu moins, on va dire c'est un coquelet. Hein. Voilà, avec un beau plumage varié, d'où son nom, tinamou varié, avec le ventre blanc. Ou lambu ananga en portugais. Voilà, petite poule, et on voit à peu près, voilà, il fait bien 600-700 grammes, donc on a facilement 300-400 grammes à manger dedans. Voilà, donc j'ai fait ça à 5h de l'après-midi, un peu par hasard, c'est un petit peu tôt, hein. C'est un petit peu tôt, mais bon. Voilà, en principe, c'est plus pratiquement la tombée de la nuit. Donc là, je vais arrêter pour ce soir, me préparer pour faire le bord de la crique, parce que j'ai un... Je pense que c'est une biche qui passe tous les soirs au bord de la crique, dès que la lune se lève. Et là, comme la lune se lève en même temps que le jour se couche, et ben, c'est-à-dire qu'à 7h, 7h30 du soir, j'ai intérêt à être prêt avec du gros plomb. Parce qu'à mon avis, elle est... Elle doit faire dans les 25-30 kilos. En attendant, ben, on va plumer ça. Voilà, donc il est 9h30, pas loin. Ouais. Donc, j'ai attendu ma biche. Elle n'est jamais venue. Laï. Alors, ben, je viens de me préparer. Le tinamou varié, voilà, on peut voir que ben, il y a quand même de la viande, hein. C'est plus gros qu'un pigeon, hein, quand même, c'est un coquelet, ouais. Voilà. Donc comme j'ai la flemme maintenant d'allumer un feu, eh bien je le mettrai, je le ferai demain matin. Donc là il suffit de le laisser tremper la nuit dans l'eau froide, ça risque rien, la viande est vidée. Voilà, donc moi quand je vide, voilà, donc il reste ben, le cou, hein, évidemment. Là, je laisse le cœur. Je laisse le foie, qui est en bon état. Et puis, j'ai sorti tout le reste, les abats. Et on voit que dessous le foie, qu'est-ce qu'on a? Si la caméra veut prendre. Eh bien, on a les petits œufs. Voilà, donc c'est une femelle. Il y en a un ici qui est beaucoup plus gros que les autres. Voilà. Donc ils sont encore un peu petits, hein, c'est pas la saison de reproduction, mais elle avait des œufs déjà en réserve, donc pour plus tard. Bon, faut savoir que le tinamou c'est une perdrix, c'est un animal assez courant, quoi. Donc voilà, il reste un peu de... Ok, ben, je vais remplir mon seau d'eau, le mettre au frais. Et puis demain matin, ben on fera boucaner comme on a fait l'autre, le tinamou cendré. Bon, à savoir que celui-là est quand même plus petit. Hein.
L'autre, c'est vraiment une petite poule. Lui, c'est un, voilà, on va dire un coquelet. Voilà, j'essaie d'avoir de la lumière, c'est pas facile. Avec le caméscope d'une main et puis régler la casquette de l'autre. Voilà, bon, on met ça à tremper et puis là, je pense que ça va être dodo parce que ma biche, ben, je l'ai loupée.